évident, ma chérie. Tu sais qu'il y a des filles qui payent chez le coiffeur pour avoir ça. Je ne suis pas du Limousin, je ne suis pas originaire du milieu agricole. Je suis provençale et je suis arrivée un petit peu par hasard dans les études agricoles. Et donc là, j'ai découvert les brebis. Je ne connaissais absolument pas ni l'animal ni la production. J'ai eu un vrai coup de cœur. Et à partir de là, je suis rentrée dans la vie active comme technicienne en production ovine. Je suis restée à la chambre d'agriculture pendant une vingtaine d'années. Plus j'avançais en âge, plus j'avais vraiment, vraiment, vraiment envie de le faire pour moi. Et voilà, peut-être un petit défi personnel et puis l'envie d'avoir cet élevage de brebis à moi. Ça fout un peu la trouille au début, mais je me suis lancée. Et 18 mois après, je n'ai aucun regret. Salut Clémence. Ça va, Marion? Et toi? Ça va. Bon, ça y est, hein. Dehors. Je ne me voyais pas assumer la commercialisation de ma production, donc j'ai souhaité de toute façon dès le départ adhérer à une OP, Limovin, parce que Limovin, ben, on avait travaillé ensemble par le passé, Limovin qui est engagé très fort dans Agneau du Limousin, Agneau Baronnet. C'est un outil qui appartient à ses adhérents, donc ça c'est extrêmement rassurant aussi, et Limovin dès le départ m'a accompagné pour trouver le troupeau de brebis, pour le transport et puis l'accompagnement technique. Ma technicienne, c'est Clémence. On fait le point ensemble et ça fait du bien de faire le point avec quelqu'un qui a un regard extérieur. C'est des guerrières. Non seulement elles me font des agneaux, elles les aiment, elles valorisent, elles entretiennent. Dans les moments un peu difficiles, des fois, je leur dis « Allez, les filles, là, vous allez faire les débroussailleuses. Faut réouvrir. » Vas-y, bon, font pas la gueule, elles râlent pas. Ici, on avait un roncier qui était énorme. Moi, je fais une saignée, je pose un fil et après, je les laisse et elles rentrent. Et on se rend compte que déjà, en peu de temps, on a quand même vachement gagné sur de la végétation type roncier, genêt, des choses comme ça. Et à la place, bah, c'est l'herbe qui revient, quoi. Super fière de mes brebis, quoi. Fière de proposer un produit que les gens apprécient aussi. Et les gens aiment ça. Ils disent, mais cette viande, elle est super bonne. Donc, il y a la fierté de faire un bon produit. La fierté de ces animaux, quoi. Fière des brebis. Très fière des brebis.